Bonjour, est-ce que ça vous dirait de réaliser vos rêves? Vous en aviez peut-être quand vous étiez petit ou petite, et puis au fur et à mesure, en grandissant, ils se sont évanouis, ils se sont évaporés. Et aujourd'hui, une fois adulte, eh bien finalement, vous dites, oui, bon, rêver, c'est sympa, mais faut garder son travail, il faut continuer à avancer. On a fini le temps de rêver, on est devenu grand. C'était aussi mon avis il y a quelques années, et malheureusement, cet état m'a amené à un burn-out assez intense avec plusieurs épisodes d'où j'ai eu du mal à sortir. Un jour, j'ai redéveloppé, redécouvert cette capacité de rêver et surtout, chose très intéressante, de mettre en place les actions pour réaliser mes rêves. J'en ai réalisé plusieurs, comme écrire un livre, faire de la moto, aller en thalasso, avoir un amoureux, et aussi faire des vidéos pour présenter ce fonctionnement que j'ai appris au fur et à mesure des années. L'année dernière, j'ai accompagné des personnes à suivre ce chemin pour réaliser leurs rêves, pour se déployer en tant que maman. Il y avait quatre femmes et elles ont eu des résultats extraordinaires. Moi, j'ai été stupéfaite. Ça s'est fait tout en douceur, pas à pas. Il y a 9 étapes pour cela. Et c'est ce que je vous propose de vous présenter dans les vidéos suivantes.